完成に近づくのか。32ビット CPU、CD ロム搭載。ハイパーメディアパソコン、富士通 FM タウンズ新登場。Salut mes petits tourteaux, je vous présente enfin donc la dernière vidéo concernant la FM Tone Smarty. On va encore parler de jeux, de conversion d'arcade et aussi de conversion de jeux micro issus du PC et de l'Amiga. Manque à l'appel hélas deux jeux que je tenais vraiment à vous présenter, mais il y en a un, j'ai perdu la capture carrément, c'était Genocide 2, un super jeu d'action, un Strider-like en fait, qui n'est pas tellement connu parce que vraiment il était sorti qu'au Japon sur la SNES. Et donc sur le Sharp et sur la FM Tant, et aussi Prince of Persia. Alors j'ai le jeu, hélas, c'est tout en japonais, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Peut-être qu'il faut que je joue avec le clavier, enfin ça marche pas, j'arrive pas à démarrer. Pourtant la démo était magnifique, mais voilà, j'ai pas pu. J'ai capturé, puis je me suis dit je vais pas le présenter puisque je n'y joue pas. Bref, maintenant c'est parti, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Pulirula. Un beat'em all pas tellement connu puisque encore une fois ce jeu n'est sorti qu'au Japon je crois, et je vous assure moi je l'ai vu en bande d'arcade je sais plus où, je sais plus quand, comment, bref, et j'avais halluciné sur les graphismes qui étaient vraiment très 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 chelou, et le scénario lui aussi est très 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 chelou. Je vous explique un petit peu de quoi il retourne et je vous laisse défiler en même temps l'intro tout en jap. Donc je vais tâcher de vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc en fait, chaque ville que compose le jeu donc, a un gardien du temps. Du temps, j'ai bien dit. Et donc en fait, il y a un petit malin, un méchant, qui a décidé de tout dérégler et donc de voler les clés des gardiens du temps pour que le temps ne suive plus son cours normal. Ce qui est un gros prétexte pour montrer un jeu où c'est complètement le bordel, que c'est le délire complet, vous allez voir. Et donc du coup, il y a deux protagonistes qui vont devoir aller récupérer les clés qui ont été dérobées pour rétablir le temps et que les choses suivent leur cours, on va dire, logique. Et pour ça, il va falloir qu'ils tapent sur des hordes de méchants puisque le temps est devenu fou et complètement déréglé et qu'il se passe n'importe quoi. Alors, dans le premier level, on ne se rend pas tellement compte. Oui, pour le moment, la ville n'a pas l'air d'être trop sans dessus-dessous. Bon, à part les ennemis qui sont vraiment... c'est du grand n'importe quoi, on a tout ce qu'on veut à boire et à manger, mais sinon, bon, la ville n'est pas trop désordonnée non plus. C'est après les niveaux suivants où vraiment on se dit, oh là là, mais où c'est qu'on est, c'est quoi ce bordel quoi. Donc ben voilà, donc là on se retrouve franchement donc, devant un beat'em all avec trois coups. Alors c'est assez répétitif, je ne vous cache pas, mais vraiment l'intérêt du jeu résidera donc dans la curiosité à vouloir découvrir les autres mondes. Puisqu'en fait, c'est un délire graphique total, quoi. Donc là, on arrive au premier boss, c'est déjà un peu le délire, parce que le boss, c'est un ventriloque avec sa mariée, vous voyez. Donc c'est assez rare d'avoir un boss de fin de niveau comme ça. C'est peu commun. Voilà, donc je suis en mode easy, je l'ai éclaté assez facilement. Le jeu en mode normal est déjà assez dur, quoi. Alors en bande d'arcade, il est aussi très dur. Pour cause, il n'y a que 6 levels assez courts, donc... En bande d'arcade, le jeu était assez difficile. Bon, en mode easy sur la FM Tones, là, ça va, c'est très simple. En même temps, je me suis mis en mode easy pour pouvoir vous faire découvrir un maximum du jeu, quoi. Bon, d'un point de vue technique, comment vous dire, comme la version arcade était, il n'y avait rien de transcendant d'un point de vue technique, ça a été facile à faire une conversion arcade parfaite, quasiment. Mais bon, comme je vous dis, c'était assez facile à convertir puisque techniquement, il n'y avait rien de transcendant. Alors il y a par ailleurs une version Saturn, j'ai oublié de vous en parler, qui elle aussi est... Bah, les deux sont semblables finalement, et elles sont les deux arcade perfect on va dire, hein, ou quasi arcade perfect. Alors évidemment,
n'y a pas de la parallaxe à tous les étages, il n'y a pas un milliard de sprites à l'écran. C'était des conversions faciles à faire et l'intérêt du jeu résidera principalement, comme je vous l'ai dit, à découvrir la suite des levels pour voir le délire que nous ont concocté donc les programmeurs d'un point de vue graphisme, quoi. C'est vraiment ça l'intérêt du jeu. Découvrir tous les levels pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des développeurs, parce que vous allez voir, je crois que c'est à partir du level 3 où même limite il y a des trucs où oula, mais attendez, c'est licencieux tout ça. Vous verrez, je vous montre. Vous voyez, c'était une feinte, on croit que le boss c'est celui qui est en armure, mais non. Là en fait c'est encore un boss complètement pété, quoi, une tête un peu chaude et tout. Et oui, c'est tout à fait original, hein, surtout à l'époque, vraiment. On avait rarement vu un beat'em all complètement disjoncté comme ça, quoi. Et là je mets des coups dans le gardien du temps, mais en fait je suis complètement con parce que c'est pas un ennemi. Je sais pas ce qu'il me raconte, hein. Et oui, je ne connais pas le Jap. Alors, quand même, il y a un petit bémol, je vous cache pas. C'est à chaque fois qu'on met le coup, le bruit que ça fait, quoi, ça casse les oreilles. Vraiment, ça casse le cerveau à force. Et il aurait mieux fallu qu'ils aient des musiques un peu. Alors, vous voyez, là, ça commence à délirer complet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à partir du level 3. Ça devient franchement n'importe quoi, les graphismes. Regardez-moi ça. C'est là où je vous disais c'est licencieux. Et alors ça c'est des obstacles, hein. La cuisse de la jante dame là, vous voyez, en jartel vraiment sexy. Donc ce que je vous disais, il aurait mieux fallu se concentrer sur des musiques un peu plus stylées, je trouve, que tout ce bruit. Vraiment ça me casse un peu les oreilles, mais bon, voilà, c'est un parti pris, hein. Vous voyez que c'est très 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 chelou tout ça. Bon, je vais finir par me taire. Maintenant, je vous laisse la séquence de gameplay. Je me tais 2 minutes. C'est clair que le boss là il est en train de me massacrer. Et pour le coup, au moment où je fais cette séquence de gameplay, je ne sais pas qu'il n'y a 3 coups possibles dans ce jeu. Et j'en connaissais que 2 à ce moment là. C'est pour ça que je joue pas très bien d'ailleurs. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 3 coups. Un coup fort,
un coup normal et un coup sauté. Et moi, je ne connaissais pas le coup fort au moment du gameplay. C'est après, en me renseignant sur le jeu, bah justement pour vous en parler, pour vous narrer le scénario, tout ça, que j'ai découvert qu'il y avait trois coups. Et donc, dans ma séquence de gameplay, je n'en fais que deux. C'est pour ça que je joue très mal. Et je prie de m'en excuser. Allez, level 4. Et ben voilà, level 4, ben du coup ça n'a pas été bien long. Et comme je n'ai plus de capture en stock, et ben on va s'arrêter là, on va passer au jeu suivant. Next. Et donc maintenant on va jouer à Raiden Thread ou Raiden Densetsu. Donc shoot'em up que l'on ne présente plus, super connu sur Mega Drive, Super Famicom. Mais aussi donc sur PlayStation 1 il est sorti et les spécialistes disent que la meilleure version c'est la version Atari Jaguar. Mais moi je vais vous dire que la meilleure version c'est la version FM Towns. Regardez-moi cette musique de psychopathe de ouf. Je vais essayer de me taire rapidement parce que de toute façon la séquence de jeu est très courte parce que j'ai même pas été fichu d'aller jusqu'à la fin du level 1. J'ai même pas réussi à passer le stage 1. Donc je vais me taire assez rapidement. Juste pour vous dire, bah là, qu'on est arcade perfect, mais encore mieux, parce que je vous dis, franchement, la bande son, c'est une tuerie. Et maintenant, je me tais, je vous laisse admirer cette fantastique musique de fond, mais aussi le jeu, qui est un très très bon shoot'em up. Mais j'ai oublié de baisser le niveau, et j'ai oublié de mettre en easy, et du coup, la séquence de jeu est très très juste. Donc, il reste à peine 2 minutes, donc je vais me taire. Et voilà, je n'ai malheureusement pas passé le stage 1. Comme je vous dis, j'enchaîne les jeux pour vous présenter un maximum de jeux que j'avais gravés donc, pour la FM Towns. Mais voilà, du coup, je suis un piètre joueur, quels que soient les jeux, hélas. Donc, on passe au jeu suivant. Alors maintenant, on va passer à Skyvenger 4, plus communément appelé en Europe Nova Storm. Alors oui, la FM Towns a aussi eu son lot de jeux en full motion vidéo qui en mettaient plein les mirettes à l'époque, quand le CD-ROM est arrivé et qui avait la jouabilité plutôt discutable parce qu'en fait c'était souvent in-game des jeux en 3D précalculés avec peu de gameplay, mais bon c'était vraiment impressionnant au niveau artistique et Nova Storm était un des titres phares de Psygnosis pour mettre en avant les capacités du CD-ROM à l'époque. Je vous ai déjà présenté ce jeu donc sur je sais plus où, sur 3DO. J'avais aussi une démo sur qui n'est jamais sortie d'ailleurs sur Amiga CD32.
J'ai très bien connu par ailleurs la version PC et aussi la version Mega CD, et je peux vous dire qu'en fait la meilleure version, c'est encore une fois la version FM-Tones. Alors pourquoi? Toutes les versions que j'ai connues manquaient cruellement de précision. Et ben celle-là, pas du tout. Vraiment, c'est très très jouable. Même si je vous dis, au niveau jouabilité, les jeux sont discutables parce qu'en fait, on est quand même très très restreint au niveau de l'action. Mais n'empêche que cette version-là est super jouable et très précise au niveau des collisions, des sprites et tout ça. Alors que les autres, ça a toujours été un peu le fouillis, quoi. Voilà. Donc pour moi, ça reste encore une fois de plus, cette version-là, la meilleure conversion de Nova Storm. Maintenant, c'est parti. Je vous laisse l'intro dans son intégralité et après, je vous ferai une petite séquence de jeu. Whether by accident or by design, the data grid has become its own master. The grid code is rapidly maturing, becoming increasingly sure in its actions. On Bodor, manufacturing facilities have been damaged beyond repair. Orbital habitats destroyed, populations displaced. On the Federated world, the situation is even worse. My industrial sector has been completely subverted. All ice mining operations are now under grid control. All personnel have now retreated to the central command. But we're still not safe. The code has sent cybernetic tendrils into the ice under the control. Infiltrating our life support system. It's in here. We can only help this. The situation is critical. We don't know what the grid code wants, but its intentions are definitely hostile. We must act quickly. The grid code appears to be concentrated in four data cores across the system. One of these appears to be on the volcanic planet of Kalinor. The Elite Scavenger 4 unit is to be ordered there on a search and destroy mission. Once the data core is destroyed, we will regain control of the planetary computer systems. This will tell us the location of the next core in the chain of command. We have only limited communication with the Federated world. The grid code has had total control of all terraforming machinery. We cannot know what form the data cores may take. Some bizarre sights may await the pilot of Scavenger 4. This mission is of the utmost importance. Only Scavenger 4 is capable of carrying it out. Failure will mean the death of our civilization. We'll be right back.
Alors nous voilà une game, et vous voyez ce qui impressionne, c'est la précalculée qui est en fond, sauf qu'en fait elle n'interagit pas par rapport au mouvement du vaisseau. Donc les seuls éléments interactifs du jeu, ce sont les tout petits sprites à la fois du vaisseau, des tirs, des bonus et des ennemis, et c'est vraiment ça qui est un petit peu... on en prend plein les yeux, mais finalement après on s'aperçoit que la jouabilité est très très limitée quoi finalement. Mais voyez, les sprites là, ils bougent très très bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres versions. Enfin, pourquoi les sprites ont du mal à bouger, c'est vraiment très étrange, mais je pense qu'en fait, c'est... À l'époque, il fallait déjà faire bouger la 3D précalculée, c'était déjà pas si mal. C'est pour ça que dans certaines conversions, bah les sprites derrière, ils sont un peu essoufflés. Et donc, cette version-là, c'est pas le cas. Vous voyez là, les décors, ça bouge super bien. Mais en fait, voilà, c'est du fake, quoi. Ça bouge tout seul. On n'a rien fait, nous, on n'a pas interagi sur les mouvements du décor. Vous voyez là, il y a le gros sprite quand même, qui a du mal à bouger, je trouve. Après. C'est encore pire sur les autres versions là. Vous voyez le gros sprite, c'est un des premiers ennemis, un des premiers boss. Dans la séquence de gameplay, c'est le seul que j'ai vu, que j'ai constaté, qui avait vraiment du mal à bouger. Donc voilà, on a atteint notre objectif et on passe à l'objectif suivant. Bon, maintenant je me tais jusqu'à la fin.
À vrai dire, je savais pas trop où tirer en fait pour ce boss. Allez, on passe au jeu suivant. Next. Mes petits tourteaux, leur tourne et je vois que bon, il y a encore beaucoup de vidéos à présenter. Je pense qu'on finalement on va encore faire une troisième, quatrième vidéo. Donc, bon, bref, on n'en est pas là. Je vous présente Shadow of the Beast. La version FM Tone, c'est un tantinet différent. Notamment, par exemple, cette intro. Cette séquence d'intro, elle ne figure pas, je crois, dans la version Amiga. Par contre, elle figure dans la version PC Engine, mais c'est un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette version FM Tones? Bah, elle est très proche de la version PC Engine, il faut le reconnaître. Sinon, pour ma part, là, par contre, je ne veux pas dire que c'est la meilleure version, parce que, pour moi, la version la plus aboutie graphiquement, la plus palpitante, la plus oppressante, où l'ambiance vraiment est un peu ténébreuse, un peu lugubre, c'est franchement la version Amiga. Maintenant, je vous laisse écouter la musique d'introduction. C'est parti, on a une game. Alors, faut savoir que avant que ce jeu sorte donc sur différents supports, la presse spécialisée dit que ça va être une fracasserie atomique. Parce que ils ont vu une démo, je sais plus à l'occasion de quel salon, mais le jeu il a 50 plans de scrolling, les sprites sont énormes et tout, et voilà, ils fantasment à fond là-dessus. Certains disent même on pourra pas faire mieux, enfin vraiment c'est l'effervescence totale concernant ce titre. Mais en fait quand il sort, ben ce qui se passe c'est que, on va dire, enfin moi c'est ce que je pense, hein, c'est que la presse spécialisée veut pas trop se désavouer. Alors effectivement graphiquement c'est une fracasserie, parce qu'il faut savoir qu'on est en 90 en fonction des conversions, hein, 90-91, et c'est une claque d'un point de vue technique. Il y a des plans de parallaxe à tout va, alors il n'y en a pas 50, il y en a une dizaine, voire plus d'une dizaine sur la version Amiga en tout cas. Mais après, moi, ce que je vois là, bon, j'y ai joué, j'ai pu explorer plus en détail, et ce qui se passe en fait, la vérité, ben, c'est à la limite du die and retry. On peut mettre qu'un coup de poing, sauter, et accessoirement, il y a encore une autre action, je sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est vraiment très très limité. Et quand je dis c'est à la limite du die and retry, c'est parce qu'en fait, il faut anticiper tous les mouvements, parce que des fois, si vous n'êtes pas frame perfect, au moment où vous lancez votre coup de poing, ben, le sprite arrive, le sprite de l'ennemi arrive et vous le prenez dans la tronche, c'est trop tard. Donc franchement, la jouabilité, elle est moyenne, quoi. Et l'expérience de jeu, elle est pas top. Je trouve qu'on est vraiment limité dans nos mouvements et je trouve pas finalement le jeu si bien que ça. Il faut savoir par ailleurs que, hormis le premier niveau, il n'y a pas 10-13 plans de scrolling partout. Hein. Dès qu'on passe au second, vous allez voir, au second niveau, il y a maxi 3 plans de scrolling et encore peut-être même seulement 2. Donc pour ma part, moi, quand je découvre le jeu pour la première fois, bien sûr je suis ébloui devant les musiques, bien sûr je suis ébloui devant les graphismes. J'ai connu la version Amiga, hein, au moment où c'est sorti. Mais après, ce qui se passe, c'est que bah, quand j'y joue, je suis super déçu, quoi. Et le gameplay, voilà, pour moi c'est bidon, c'est pas, il n'a ni le gameplay d'un jeu de plateforme, ni le gameplay rapide et péchu d'un jeu d'action. Enfin, je suis vraiment sur ma faim. Oui, je prends une grosse patate dans ma tronche parce que le jeu est magnifique, principalement le premier level. Les boss de fin de niveau sont énormes, certes, mais pareil, ils n'ont pas des animations terribles non plus, quoi. Ils sont vraiment limités, les animations des boss, mais il faut reconnaître que c'est très joli. Mais après, franchement, on reste sur notre faim. Alors, les notes de la presse spécialisée à l'époque, elles sont dithyrambiques, mais franchement, c'est pour moi survendu. Voilà, c'est mon petit point de vue, ça n'engage que moi. Maintenant, je vous laisse la séquence de gameplay jusqu'à la fin.
Et voilà, j'ai perdu. Et vous voyez ce boss là, le sprite est magnifique, il est grand et tout. Mais bon, vous voyez comme il bouge la tête et tout, il est complètement sclérosé. Donc voilà, on arrive à la fin. Alors oui, j'ai dit du mal de Shadow of the Beast, c'est comme ça. C'est ce que je pense. On va faire une quatrième vidéo maintenant, c'est sûr, parce que j'ai encore au moins 5 captures de jeu. La vidéo risque de durer encore au moins une heure. Donc, j'ai pas trop envie que ça dure trop longtemps non plus. Et j'ai encore envie de vous faire poireauter, saliver un petit peu. Et je vais faire une quatrième vidéo concernant les Femtones. Il restera donc, à ma connaissance, 5 jeux à vous présenter. Et non des moindres, je vous laisse le suspense, je ne dis pas lesquels. Mais sur les 5 jeux, il y en a 4 qui sont super bien. Donc, ça vaut le coup de voir et d'attendre patiemment la prochaine vidéo sur la Femtones, c'est la quatrième qui arrivera très rapidement parce que là, pour tout vous dire, elle est déjà donc en cours de montage, donc c'est sûr, elle arrive juste après. Il ne me reste plus qu'à vous saluer mes petits tourteaux et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et surtout n'oubliez pas la Femtones Part 4. Bye bye mes petits tourteaux.